Coucou à tous, alors on est sur un nouveau petit spot, peut-être un peu petit pour les gros bébés que j'ai actuellement. Donc on va essayer. Cool. Voir ce que ça donne. Avec le marmer. En effet, des petits espaces comme ça. C'est un peu délicat, 12. Alors j'ai rajouté du carrossage, du pincement à l'arrière pour être un peu plus stable. Hop là. Il est un peu petit le stade pour ses échelles. Là, avec le petit adaptateur que je me suis pris, je pense que ça peut être pas mal. De prendre un peu contact. Alors pourquoi il ne tourne pas d'un côté? Je crois que j'ai un petit problème dans le sous savoir. Avec le SMAX, on va voir un peu ce que ça donne. Là, je voulais tester, mais c'est vrai que c'est rigolo, mais c'est pas du tout l'échelle. Ah, c'est sûr, ça t'apprend la fatigue, ça c'est clair que. C'est clair, ça t'apprend la précision. J'ai sorti, j'ai réussi à sortir mes deux gosses. Allez, on sort. Et là, ouais. Hein? Vas-y. Donc lui. Définitivement sur les petits espaces comme ça. Sauf cerveau, il est narose. Faut que je refasse. Hein. On va y arriver, on va trouver un truc bien. Ce que tu veux, loulou. Bah à gauche. Allez, autour du X-Max. Alors on va débranger 12 heures. Thank you.
déjà ultra plus précis. Le petit train. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que les X-Max, faut pas s'effrayer sur la taille, ils roulent partout. Il y a ça, tu peux faire un skate quoi. Bah j'ai vu, ouais. Là, la peinture est de ce côté, mais de l'autre. Ouais, mais même celui-là, non? Yeah. Et moi j'ai descendu les rampes. Ça y est? Ouais. Tu te rappelles, ça fait quand même, t'avais 4 ans la dernière fois que t'as fait ça. Bah à ton âge, il voulait plus non plus. Tu voulais plus. Ah, même ça. Vas-y bonhomme, hein, t'inquiète pas. T'as peur? Ah moi je vais là-bas, t'inquiète. Bon, allez. Ah non, tu t'es que dalle. C'est moi qui fais. Ça tape. Érivé. Entouré tout 70. Bon, hey, tu vas doucement, loulou. Il y a une route de l'autre côté. Non, mais je déconne pas, Pierre. Hein. Parce que là, si tu vas. Faut que tu ailles mollo. Parce que là, tu traverses. Hein. Je déconne pas. Hein. Faut le prendre juste appel contre appel, doucement. Ça a rien de l'envoyer tout de suite. Hein. Oh la vache, j'ai peur. Ouais, voilà. Pour une première. Ouais, la phrase. Ah, ouf. Fais gaffe, y a ton frère. Voilà. Tu te rappelles, Pierre, l'assiette, je freine, je pique, j'accélère, je lève. Ah si, enlève-toi. Non, sérieux, enlève-toi. Non, Simon, enlève-toi. Maîtrise. Ouais, ouais. Non, non, comment te dire? Non, viens essayer, Simon. Quoi? Oh non, j'ai freiné trop tôt. Hein? Pourquoi tu freines? Hein? Oh putain. Tu peux essayer? Je fais un bapi, après je te le laisse. Oh, non, c'est moi. Non. Regarde, trop bien les prendre. C'est bon, je vais pas faire le bapi. Simon, lève-toi. Tu restes accéléré, c'est ça pendant l'heure? Tu vois déjà si ça passe, t'en fais déjà un saut un peu plus fort, tu regardes comment ça se passe. Ouais, bien rétabli. Et moi, Écoute, je vais essayer. D'abord j'essaye. Non Pierre, non sérieux. Et il est tout neuf, s'il te plaît.
tu fais de, bah, tu t'ennuies, loulou. Tu fais de la trottinette, tu fais du basket. Tu me le donnes, s'il te plaît. J'ai réussi. Merci. J'ai réussi. Oui. Oui. C'est dégueulasse. Espèce de. Non mais c'est bon. J'ai bien réussi. En plus t'as raison. Ouais, ça c'est le diff. J'ai trop de maîtrise. Diff arrière. Ouais, oh là là. Oh. Allez, salut hein. Et bien rapide démontage, et bien en fait c'était pas les diffs. Pignon et couronne. Du clutch drive qui a bien morflé hein. Donc tout ça ça bouge dans un skatepark, voilà. Et à plus, si vous voulez faire les cons, moi j'assume hein. C'est pas fait forcément hyper pour, en tout cas quand on ça casse faut pas se plaindre hein. Ça c'est clair. À plus.